Donc, ça va être le jour de vérité. On n'a pas dormi tant que ça, donc nous sommes sûrement sur un nouvel épisode. On n'a pas dormi tant que ça. Ah, il faut qu'on regarde ça aussi. Eau potable, très... Bah oui, prenons-la. Prenons-la du coup. Donc comme j'avais calculé, on a bien calculé l'heure. Ça va. On a 5 litres, on va en déposer. J'entends du bruit. J'entends du vent. On a 10, c'est bon, let's go. J'espère qu'il va pas faire froid. Ouh. Fait un peu froid. Ok, c'est le moment, allez. On fait ligne droite. Fait ligne droite, de toute façon il est là-bas. Donc on y va. On va potentiellement lui mettre des flèches de loin. Oui, parce que si on lui met des flèches de près, il va nous mettre des baffes et ça va mal passer. Donc déjà oui, c'est logique. Mais on va essayer peut-être d'extra loin. J'ai envie de tester un peu mes habilités à tirer de loin. On va voir. En plus, il fait beau. On a le ciel bien dégagé. Il n'y a pas de vent. On est en pleine forme. On va voir si on peut le faire venir. Donc cet îlot pourrait être pas mal. Faut voir où il est. Faut voir déjà où il est. Après on voit. Sur toi. Peut-être plus là-bas. Où est-ce qu'il est? Il a bougé. Tout ça. Je sais plus exactement où est la grotte en fait. Je crois qu'elle est de ce côté là. Les corbeaux. S'il y a des trucs à récupérer là. Peut-être des rideaux. Peut-être des rideaux. Ce serait bien. On avait vérifié tout ça. Oui, on avait vérifié. Du tissu, ça serait bien. Juste le temps de se réchauffer un peu. Et ça, on va en faire du petit bois. À 10 minutes. Très bien. Ok, on ressort et on va sur notre gauche. Et on essaye de trouver l'ours. Je suis assez motivé là, j'avoue que je suis. Je suis là vraiment pour le trouver et m'en faire un manteau. Quoi. Mais je suis assez surpris de pas le voir en fait.
Oh. Ah, je sais, t'as faim. Ça m'embête. Bah là, mince alors. Est-ce qu'on va pouvoir monter? Je suis jamais monté là. Non, je crois pas. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, rien. Voilà la réponse. Rien du tout. Néant. Une petite bout de bois, mais bon. À la limite, on n'a qu'à récupérer le bout de bois et... on déposera si jamais on est plein. Mais... enfin, au moins qu'on soit pas sorti pour rien, quoi. Bon, là, non. Bon, là, pas d'ours. On va aller... putain, où est-ce qu'on... est-ce qu'il pourrait se cacher, ce con? Putain, en plus, il fait beau, quoi. Maintenant, ce serait vraiment le... on va aller là-bas. Le meilleur moment, en fait, pour le combattre serait maintenant, parce qu'il fait beau. Et du coup, ce qu'on pourrait faire, c'est complètement... enfin, récupérer la viande, même si on fait des allers-retours, il n'y a pas de problème, quoi. Oh, non, je suis dégoûté. J'étais tellement motivé. Parce qu'avec un temps comme ça, on pourrait directement aller récupérer la peau du cerf, par contre. Vous vous rappelez la peau du cerf qu'on a laissée ? On a récupéré toute sa viande et les boyaux, mais on a laissé la peau. On va voir par là. Il y a du lapin. Quoi? D'accord. Je vais pas questionner. Putain, trop court. Il y avait un loup. T'es en train d'aller vers le loup, le lapin. Je vois pas. Oh la vache, m'a fait peur ce coup. Pas tué.
poids. Il est là-haut, il redescend. Faudrait qu'on se... Faudrait qu'on se vide. Faudrait qu'on jette le... Vas-y, viens, si tu reviens là. Quoi? T'es toujours pas mort. Merde. Ah la vache, tu m'énerves. Quoi? Quoi ce bruit? Flèche folle. Eh viens ici saloperie, tu vois pas que t'es mourant. Excuse-moi. Non mais là c'est une blague là. On t'a mis combien de flèches? C'est quoi cette journée bizarre là? Qu'est-ce qui se passe? Oh, tombe pas. Merde. Je suis en train d'abîmer les flèches. Eh ben putain. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'on en a perdu une encore? Non. De boyau. Oh la vache. Oh merde. Vous venez d'où vous? Ah oh ouais, c'est pas très grave, c'est pas très grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est mieux d'esquiver les loups et... de se péter un poignet que de se prendre un loup. C'est pas grave. Il n'y a aucun problème. Honnêtement, ça me fait, ça m'embête pas. Ah, très bien. Ça m'embête pas du tout. Ah, on a récupéré boyau, deux boyaux. On a fait de l'expérience. On a récupéré un lapin aussi. Ça va. Je savais qu'elle allait se péter quelque chose. J'en étais sûr. Parce que vu le chemin qu'on a pris... C'était obligé, honnêtement. C'était vraiment obligé. Alors. Alors, boyau, très bien. C'est cool. Faut qu'on regarde les niveaux. À chaque fois, je dis qu'on va regarder les niveaux, mais c'est vrai que j'oublie beaucoup, j'oublie souvent, en fait, de le faire. On va peut-être dormir, je crois qu'il faut dormir 4 heures, je pense qu'on peut dormir 4 heures maintenant. Jeter tout ça. J'en étais sûr, quand j'ai vu les deux loups en bas, je me suis dit on va rester sur la pente et on va se péter quelque chose, mais au moins on est safe quoi, vous voyez ce que je veux dire? Au moins on est safe. I'm gonna need to eat soon. Il va falloir qu'elle mange aussi. Madame la chiante. Et voilà. Damn it. So hungry. C'est bien parce que maintenant on peut faire une... On peut vraiment faire une nuit.
et récupérer de la vie et tout ça. Bon, par contre, un peu dégoûté du coup, parce qu'on n'a pas trouvé l'ours, quoi. Qu'est-ce qui... Comment ça se fait? Elle est toujours malade. Ouais. Comment ça se fait? Il est où cet ours? Ça m'embête. On est parti très vite, honnêtement, on est parti très vite. On a rushé comme un porc et tout ça. C'est pas vraiment la... La façon dont je joue, hein. À chaque fois, je suis très très... Enfin, on y va doucement, quoi. C'est vrai que là, j'y suis allé comme un bourrin, mais bon, c'était justifié pour parce que je voulais vraiment qu'on trouve l'ours et qu'on le combatte et qu'on le, enfin, qu'on le tue avec ce beau temps, quoi. Mais non, rien du tout, hein. rien du tout. Bientôt niveau 4, c'est très bien. La cuisine aussi, on a bien augmenté, ça c'est vraiment vraiment cool. Et tir à l'arc, ça va, c'est potable. On va faire ça. On mange tout, c'est pas grave. On va dormir le plus possible et on va continuer notre chasse. Et on est de retour. On se réveille en pleine forme. Très bien. Donc on n'a pas dormi 10 heures. Hein, et on est en pleine nuit, je crois. Est-ce qu'on a de l'eau? On a encore un parce que ça marche. Ouais, il est à peu près un peu plus de minuit. Il doit être quoi? 1h du mat. 1h, 1h et demie, 2h. Ouais, let's go. Anything right now. C'est l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On retourne encore sur la lac. On fait autre chose. Évidemment, maintenant il fait froid. Maintenant il fait froid. C'est quoi ça? Un cerf? Ou un... Non, c'est un cerf, ok. Bon, bah, chasse au cerf. Chasse au cerf maintenant. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. On va faire le tour comme d'habitude. Ah, on fait pas du tout ce que je veux. On fait pas du tout. Ça, c'est un peu embêtant. Bon, on a... c'est vrai qu'après, on a de la chance et tout ça, mais. J'espère monter de niveau. J'espère passer niveau 3 si on le, si on le chasse. Ça m'embête tout ça. C'est tout des contretemps en fait. C'est que des contretemps ce qui se passe. Mais je suis pas super fan des contretemps. Il est là. Chut, arrête de parler. Mange le sol, non? Mange la neige. On l'a eu. D'accord. C'était dans le coup. Fingers numb. Le problème c'est que là il va vers les loups. Ok, ça va. Elle va commencer à trembler parce qu'elle a froid. La flèche par Estelle s'est brisée, donc du coup il va pas très loin. So cold. So cold.
Merde, il a eu peur. Non, on va pas le faire. Merde, il y a un loup juste là. Ah mon dieu, mon dieu, mon dieu. Voilà, ça c'est fait. Ok, il y a 9 kilos. On rentre. Bon, ça s'est pas du tout passé comme, comme je l'espérais, mais bon, ça se passe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a fait beaucoup de chasse, là, on a lapin, loup, cerf. Je voudrais bien qu'on tombe sur quelque chose de plus gros, mais bon. Je crée pas les règles. Hein. Je crée pas du tout les règles, c'est embêtant. Vous avez vu quand même comme c'est beaucoup plus, on va dire, simple quand vous avez un arc qu'un fusil par exemple. C'est beaucoup plus à l'aise parce que le fusil, si vous loupez une balle, ben, vous ne pouvez pas faire grand chose, vous voyez ce que je veux dire. On va recycler ça. Et, mais là, avec l'arc, vous pouvez tirer plusieurs fois, vous pouvez vous louper, machin, etc. C'est pas extrêmement, extrêmement grave. 51% de l'arc. Il va falloir en crafter un autre. Mais on peut. Il faut juste des boyaux. Du coup, ce qu'on va faire, je dirais qu'on va manger. Comment... Est-ce qu'on pourrait perdre du temps ou pas? Est-ce qu'on pourrait perdre du temps? Pas vraiment. C'est assez rapide aujourd'hui. J'avoue que cet épisode aujourd'hui, on avance vite. On fait beaucoup de choses. Ah, très bien. On dort un maximum. De toute façon, elle est pas, pas très fatiguée, mais au moins on se réchauffe. Ok, c'est parti. On va aller voir le temps. Faudrait vraiment qu'on récupère la viande de cerf, c'est le plus important. Pas extrêmement, extrêmement loin, mais... Est-ce qu'on peut aller prendre au moins 1 kilo? Peut-être revenir, avoir le temps de revenir. Très très froid, hein. Enfin moins 14 là, c'est parce qu'on est protégé. Ah, ils sont là. C'est pas l'idéal. On va dire que c'est pas l'idéal de faire ça. Faudrait vraiment que le temps s'améliore. Mais ouais, ça passe. Ça passe, ça passe. Emmerdant quand même. Est-ce qu'elle va vouloir dormir une heure? Normalement oui. Là on se re... On se réchauffe.
on est reparti. C'est très étrange la façon dont on joue maintenant. Peut-être que le temps s'est amélioré. Et on va, je crois qu'on va continuer à faire ça, hein, si le, s'il fait pas... Ouais non, il fait froid encore. S'il fait froid, on fait ça. Hein. C'est, honnêtement, c'est une façon comme une autre. Hein. On n'est pas loin. Donc autant en profiter. Hein. Parce que j'ai peur que les autres loups viennent et mangent. Mangent la carcasse. Parce qu'après, du coup, il va plus rien rester dessus. Je l'avais pas vu. Est-ce qu'on a fait tomber des objets? Qu'est-ce qui s'est passé? Douleur, entorse à la cheville. Ok, ça marche. T'es encore là, espèce d'enfoiré? Est-ce qu'il saigne? Il saigne. Il saigne, ok, ça marche. J'ai eu... Oh la vache. Il m'a fait une de ses peurs. C'est froid, faut qu'on aille se réchauffer. Ah, on peut plus sprinter du coup. Oh, mon dieu. On a dû mourir, quoi. Tout va bien. Je sais pas, honnêtement, je sais pas pourquoi il nous a lâché aussitôt. Bon, je l'ai tapé avec quoi? Avec la hache. Ouais, la hache est quand même pas mal. Ouais, je... Non, je sais. Je sais pas pourquoi il nous a lâché aussitôt. Je, j'avoue que je suis assez surpris. On aurait dû mourir, quoi. On aurait dû mourir. Ah, fait chier, on n'a pas récupéré... vous avez vu que le loup était près du... Près du cadavre. Il est près du cadavre. Du coup, on peut plus sprinter. Alors ça, ça tombe vraiment mal. Ça tombe vraiment mal. Ah, oh, starving. Si on utilise le bandage, est-ce que ça va nous permettre de sprinter ou pas? Je crois pas. Si. Par contre, la douleur, c'est quoi? C'est l'écran, en fait. Ok, on est bon. La douleur, c'est ça aussi, ça avait été rajouté. Parce qu'avant, ça n'existait pas. La douleur, maintenant, c'est en plus de l'attaque. De l'attaque. De... Voilà, vous avez l'écran qui est brouillé, en fait, sur les côtés. Oh, yes. Oh, yes. Ah, yeah, oui, ah, évidemment. Évidemment. Évidemment, il nous fallait une petite tempête, là. Histoire de bien corser les choses. Faire en sorte que le... Les carcasses soient bien gelées aussi. Mon dieu, des fois ce jeu. God, I have never been so hungry in my life. Mon dieu, mais t'es sérieux, il fait combien? Moins 40? 29? Tu peux pas faire un peu mieux que ça? Moins 30? Ah ben... C'est une vraie catastrophe cet épisode. Dis-moi qu'il y a du... Oh yes, il y a deux boyaux séchés. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ah là 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 là. Oh, on est bientôt niveau 4 en plus. Il y a deux boyaux séchés. Est-ce qu'on fait un arc? Est-ce qu'on commence à créer un arc? Parce que notre arc est 51%. Ou alors on commence à...
faire des vêtements. On avait dit quoi? Ah bon, sécher, c'est 4. Bon bah, je crois qu'on a, on a tout décidé. L'arc, c'est 2, je crois bien. Ouais. 10 heures. Ce qu'on peut faire aussi, c'est des flèches. Perdu une, mais on a toujours la pointe. Vous voyez, on a toujours la pointe de flèche. Ok, la douleur est partie, très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va manger une... Pour éviter de perdre trop de vie, on va manger ça. Et on va commencer à crafter un nouvel arc, je dirais. Attends, 1, 2, 2, 92, 94. Ouais, on va faire ça. On va faire ça, c'est parti. Bien. Voilà. Il reste plus grand chose à faire. On va voir s'il fait assez chaud pour qu'on puisse récupérer plus de viande. Oh yes, parfait. Ok, cool. Let's go, let's go, let's go. Alors là, on va pas se faire avoir. Ah, il doit faire moins 1. Il est là. Je crois qu'on va devoir le combattre. Pour être tranquille. Ouais, vous affairez. Y a pas de problème, y a pas de problème, tu vas... T'inquiète pas, regarde, y a ton pote là. T'inquiète pas. Renifler le truc, si. Voilà. De rien. Bienvenue. Saloperie. Ah, attendez. Ok, il fait pas froid. Cool. Yes. Parfait. 48. On va peut-être prendre d'abord les boyaux. This pack is getting kind of heavy. Allez, allez, faut pas que le temps change. Ok, cool. Parce que là, ça va aller plus vite, peut-être. 24 minutes. Tout ce qu'on récupère. Oups, on était... Je me suis dit, mince, putain, qu'est-ce qui ça... On n'était pas, on n'est pas aussi lourd. En fait, on est accroupi.
Ah bah là du coup... Ah oui, là on s'est refait un stock. Hein. C'est pour ça que, honnêtement, c'est pour ça que l'arc ça vous change la vie. C'est beaucoup mieux qu'un fusil. Alors je sais que le fusil c'est stylé et tout ça, et puis ça peut faire peut-être plus mal, mais... Oh là là. L'arc quoi, c'est parce que c'est rapide à utiliser, c'est facile à utiliser, c'est vraiment le top quoi. Vraiment vraiment le top. Par contre, ouais il fait c'est nuit. C'est embêtant là. C'est parce que sinon j'aurais crafté en fait l'arc. J'aurais crafté le deuxième arc, on aurait fini. On va manger. Encore une fois. Pour dormir. Pour pouvoir dormir au moins une heure. On va dormir une heure. On va dormir une heure, comme ça on y retourne. Parce que là, j'espère que... Vu qu'il y a eu une grosse tempête, j'espère que le temps ne va pas bouger. On va tout manger, c'est pas grave. Le temps va pas bouger et on peut récupérer la viande et tout ça et le reste. On va juste dormir une heure. C'est juste pour se réchauffer au max. Ok, parfait. On n'est pas sur quoi, non, c'est bon. J'espère vraiment que le temps n'a pas changé. Il ne faut vraiment pas qu'il change. Ok, parfait. Let's go, let's go. Ah, c'est quoi qu'on a monté de niveau aussi? Ah oui, c'est la carcasse. On va regarder un peu les bonus aussi. Bon, bah du coup, ouais, on n'a pas trouvé l'ours, rien, mais bon. Ça c'est bon. Très bien. Est-ce que la carcasse est gelée? Gel, oui. Oh non. T'es sérieux là? De la viande de loup à récupérer. On a encore de la viande de loup à récupérer. C'est embêtant ça. On a récupéré les boyaux. Les boyaux, je crois que c'est ceux qui nous manquent le plus. Et c'est ceux qui sont plus utiles en fait pour faire les choses. Ah, on va dormir. Maintenant on va dormir une journée, quoi. Enfin, une nuit. On va finir notre nuit. On va voir comment on peut faire. 8 heures, c'est parti. Ok, on se lève. Le temps s'est calmé. Le temps s'est calmé apparemment. Il me faut de l'eau par contre, je vois rien du tout. Okay, bien. On va voir. Je suis sûr qu'il va encore faire froid, à moins que le... Je sais pas combien de temps on a dormi, on n'a pas dormi 8 heures, si. Un peu le temps, c'est un peu pourri le temps.
Un truc qui dure 20 minutes, on va voir. Même si on a un peu froid. Qu'on boive aussi, j'ai pas bu. Alors je suis en train de me dire que, en fait, ce qu'on aurait dû faire à la limite, vu que... Ah non, non, on peut pas encore le faire. Non, 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 de toute façon, on peut pas. Ah quoi que maintenant, on est niveau 4, on peut peut-être le faire. Je vais voir, on va regarder ça. Je vais vous... Alors, ce que je voulais faire, en fait, c'est couper. Couper la carcasse directement. Couper le truc. Parce que nous, on n'utilise pas la viande de loup. Enfin, on en a déjà de côté et tout ça. C'est pas intéressant. Donc, si on coupe, on a directement la peau par terre et les boyaux pour une heure de découpe. Donc, ça serait beaucoup plus rentable. Alors, délai de collection des viandes plus moins 30%. Ouais, oui, ça c'est pour récupérer la viande plus rapidement. Et vous pouvez collecter 75% des carcasses gelées à la main. Et délai de collecte de peau boyaux. Non, on aurait pu le faire, même si c'est gelé, on prend la... Parce que ça, c'est pour faire la main. En fait, nous, on aurait pu utiliser la scie. Ouais, non, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. Ouais. Enfin, on va dire que j'ai perdu du temps, quoi. Voilà, j'ai perdu du temps. On aurait pu faire ça beaucoup beaucoup plus vite. Je suis pas très très fier de moi. C'est pas grave. Bon, on va essayer de dormir encore un peu. Parce que je vais vous montrer ce qu'on aurait pu faire. On va regarder. 2 heures. Pas le plus possible, mais bon, elle est pas fatiguée encore une fois. Ok. Parce que les sacs de viande de loup, à la limite, ça on le laisse. Quoique, encore une fois, après, c'est pas de la perte, ok? On est d'accord. C'est pas de la perte. Mais parce que... Si on le fait cuire, je crois qu'on peut faire cuire de la viande pourrie aussi. J'en sais rien, je sais pas. On aurait peut-être pu mieux faire les choses. Je suis en train de me prendre la tête, vous imaginez même pas. bon, ça il reste plus que ça, on s'en fout. Lui il reste... Ouais. Ouais, on aurait pu faire ça avec la scie à métaux. Minutes. Et on peut faire ça en une heure. On va juste prendre la fourrure. Ah non, on va pas prendre la fourrure. Il fait trop froid. Voilà. Autant prendre ça. Parce qu'au point, au moins on peut directement le prendre, le manger. Puis c'est presque 1 kilo. Faut qu'on se réchauffe encore. Ah, j'aime pas faire des allers-retours. C'est pas, est-ce que, je sais pas si c'est intéressant à regarder honnêtement. Ça me perturbe.
Faudrait que je commence à éditer peut-être un peu plus pour ce genre de vidéo. 600 calories quand même. Eh oui, parce que c'est pas du loup ou des trucs comme ça, ça fait beaucoup de calories au final. Mais bon, c'est mieux d'avoir des steaks de 1 kg quand même, comme d'habitude, comme je le dis. Je le dis tout le temps, ça. Et là, on se permet de manger beaucoup, parce que là, on a tapé dans nos rations à mort. Parce qu'on n'arrête pas de se réchauffer en fait en dormant. Et ce qui est une mauvaise chose, de se réchauffer en dormant. Mais vu qu'on n'a pas trop de vie... Bah du coup, voilà, on a récupéré, vous voyez, on est quasiment à la moitié là, donc on récupère petit à petit. Mais c'est vrai que dormir, à chaque fois, il faut des calories, quoi. Donc à chaque fois, il faut manger. Donc là, on a tapé à mort dans les réserves. On va longer le bord, parce que là, niveau purée de poids, c'est pas mal. Fait pas extrêmement froid, on va prendre la peau, je pense. Ok. On est bon. Mais les prochains loups, c'est ce qu'on fera. On les découpera directement. Ça fera des sacs de viande. Les sacs de viande, on décidera si on les prend avec nous ou pas. Si on les prend pas, c'est pas grave, on s'en fout. Mais au moins on aura directement les boyaux par terre, la peau par terre. Et c'est vraiment le mieux, quoi. Parce que là on a perdu tellement de temps. Pour l'ours, ou alors pas le cerf, l'élan. Pour l'élan et l'ours, c'est ce qu'il faut faire parce que... Alors c'est à double tranchant parce que dans un sens... il va avoir des gros sacs de viande, comme j'ai dit par terre. J'arrête pas de répéter la même chose, je sais, mais... Et il risque de pourrir. Il risque de pourrir, ça c'est un problème. Donc il faut vite les vider, en fait, les sacs. Mais du coup, vous aurez tous les boyaux. Je sais pas, je crois qu'on a récupéré une quinzaine, une trentaine. J'en sais, je sais plus trop. Parce que si vous faites ça... un par un, enfin vous en avez pour 7 ans, quoi. On va aller récupérer la viande. Ça nous fera monter le niveau pour les carcasses et tout ça, de toute façon. Et puis après, on le fera cuire parce que ça nous fera monter aussi le niveau. Donc bon, voilà, tout est bénef. Et puis à la scie, ça va très vite. Ah, 20 minutes. Ah, très bien. La scie à métaux. Pas encore moins froid. Ah bah là, je veux pas dire, mais quand on va se décider à faire un feu, faut vraiment mettre du bois de côté, hein. Parce que... Phew, on a énormément à cuire. Et tout ça. On a ça. Tout ça, à cuire. On va aller dormir.
Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue? Fait pas très froid, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Je m'amuse bien. Je m'amuse bien, je dois dire. C'est rare en fait de jouer aussi rapidement, faire plein de choses d'un coup, parce que là on a fait plein de choses d'un coup, honnêtement. Donc c'est assez rare. Ouais, on se réchauffe encore une fois en dormant. Ok. On sprint un peu parce qu'on essaye de se fatiguer aussi en même temps. Ok, c'est parti. Alors, s'il fait pas froid du tout, je serais pour aller à la recherche de l'ours. On peut aller re-scanner la zone, honnêtement. Sinon, à la limite, moi je serais plutôt parti dans la forêt pour aller récupérer, vous rappelez la peau du cerf qu'on avait laissé. Mais bon. Il y a un cerf là-bas. On a plusieurs peaux, quoi. Donc, on a déjà pas mal de peaux et on n'en fait rien, limite. Donc c'est pas très, très... c'est pas urgent. C'est pas urgent. C'est comme là, vu qu'on a... on a beaucoup de viande, mais qui est pas cuite. Mais si vraiment on tombe à court de viande, bah ce qu'on fera, c'est qu'on a plein de bois de côté, on a des allumettes, voilà, il n'y a pas de problème. Quoi. Quand on reviendra, on fera peur au cerf, on l'avancera vers chez nous. Si jamais il se met pile poil devant chez nous, on le chasse. Yes, il est là. Il est là. Il va falloir que je boive un coup, moi, avant. Faut que je me prépare. Parce que ça risque d'être long. On va se mettre dans la cabane. Et on va récupérer notre endurance. Ok. Est-ce qu'on a chaud? Ouais, non, mais de toute façon, il n'y a pas de vent. Ok. On boit un petit coup d'eau. On se prépare. Il n'y a pas de vent. Fait pas froid. On l'entend grogner. Il est juste à côté, hein, juste à côté. Tout va bien. Parfait. Par contre, tu vas du mauvais côté, mec. Ok, on va faire comme ça, on va utiliser ça. On va attendre qu'il s'approche un peu. On va utiliser cette cabane pour l'attaquer. Il fait des bruits bizarres, j'avoue. Il court très très vite hein, quand il charge. Il court très très vite. Ce qui est embêtant, c'est qu'on perd du temps parce qu'il met 3 ans à venir en fait. C'est ça le problème. Normalement, là il va venir vers nous. C'est marrant, elle a. Vous avez vu? Elle a. Elle est en risque.
Quand elle se met sur le rebord, ça je savais pas ça. Ça serait con de... De se faire une entorse comme ça. Ouais, il arrive encore. Donc on continue. Et tout devrait bien se passer. Et s'il fait continue à faire beau, honnêtement, on est bon. Là, je sais pas si je peux le toucher. Faut qu'on attende un peu plus avant de rentrer dans la cabane, comme ça il ira moins loin. Est-ce que je peux le toucher là ? Je l'ai touché. We need anything right now. J'aurais pu tirer plusieurs flèches. J'aurais pu tirer au moins deux flèches. Où tu vas? Où tu vas, mec? Ok, il y a la cabane là-bas. On peut faire la cabane. Ok, il revient. Doucement, doucement. Mais il est en panique parce qu'on lui a fait quand même pas mal de dégâts. Ah. La flèche était... C'est pour ça que je voulais faire le chemin qu'il a pris pour aller voir les pour voir les flèches. Parce que si les flèches le cassent en fait. Ok. Alors attends, ce qu'on va faire c'est... Je sais pas si rentrer et sortir des bâtiments, est-ce que ça le fait arrêter en fait de partir comme un dégénéré là ou pas. Je sais pas si ça marche. On va voir. Apparemment, bah non. par contre, il va vers chez nous. Ce qui peut être une bonne chose. Par contre, il va super loin. Là, c'est un problème. Enfin, vers chez nous, c'est plus vers la droite. J'aurais dû lui mettre une deuxième flèche directe. C'est vrai que je l'ai regardé parce que j'ai un peu hésité. J'ai un peu hésité sur le coup, mais on aurait dû lui mettre directement une flèche. Est-ce que vous voyez du sang? Moi, j'en vois plus trop. Hein. Ah, il est là-bas, je l'ai vu. Ah, on vient voir du sang. Il est là-bas. Là. Ah, attends, tu vas où exactement, mec? On peut peut-être te prendre. Ah, putain, ça va être chaud. Il nous faudrait un endroit, en fait. J'ai peur qu'il revienne vers moi direct. Ok, il est par là-bas. Un peu, non, pas. Ok, il est toujours là. On l'entend. Qu'on se mette sur les rochers pour qu'on soit pour qu'on descende si jamais il nous charge. Il est loin, je pense. Désolé, mais là faut qu'on se concentre. Pas qu'on fasse de la merde. Ok, passer par là.
essaye de l'entendre en fait. Où est-ce qu'il a pu aller ce con? Ok, ok, du sang, ok, 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 bien, bien, bien. Man, all I can think about is food. Ah. Merde. On va descendre. Te pète rien parce que là c'est vraiment pas le moment. Il n'y a aucune trace de sang, donc je dirais non. Ah, on a une belle journée là pour chasser quoi. On va reprendre de la hauteur. Si j'y arrive. Ellie, Ellie, tu peux le faire. Là, là, ça va, c'est bon. Merci. Où est-ce qu'il a pu... Il doit être toujours sur cette montagne-là, alors. Oh, merde. Ça, c'est chiant, ça, par contre. On va continuer à prendre de la hauteur. Parce que, honnêtement, on a un très, très beau temps, là, donc... Niveau chasse, c'est top. Ah non, j'ai cru que c'était des... Un galopement, mais non. Un galopement, est-ce que ça se dit? Est-ce que vous voyez quelque chose bouger? Ah merde. Putain, où est-ce qu'on est? Faudrait des jumelles. Après tu vas pas me dire qu'il est allé... Il a vraiment fait tout le tour. Et oui, parce que quand on monte, après, bah, il faut descendre. Et le plus dur. C'est l'atterrissage. Ah, ça m'embête. J'aurais peut-être mieux regarder les traces de sang en hauteur. Il est pas retourné. La plupart du temps, quand ils sont blessés, ils courent. Un peu comme le furet. Puis après, ils reviennent... ou c'est qu'ils campent, hein. Donc ils campent là-bas. Donc en théorie, ils devraient revenir petit à petit. Mais là, je vois rien du tout. Hein. Ouais, d'accord. Y'a rien, alors à moins qu'il soit mort là-dedans, mais enfin, c'est 3 flèches quand même, c'est pas beaucoup. 3 ou 2? 2 flèches, je crois. Donc ça m'étonnerait qu'il soit mort. Et les corbeaux.
cheval, il y a des corbeaux, je suis pas sûr. Où est-ce qu'on est? Normalement, c'est avec une corde qu'on monte là. La corde est là-bas. Voilà. Les corbeaux commencent à faire nuit. Et une grotte. Ah, il y a des bois. Je sais pas exactement où on est. Aïe 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 aïe. M'embête. Ça m'embête. Où est-ce qu'on est? On est venu ici? Non. Ah, intéressant. Intéressant. Je savais même pas qu'il y avait une grotte ici. Voilà. Ah, quand c'est fatigué, est-ce que là on fait que sprinter? Regarde s'il n'y a pas des trucs intéressants, genre des bois encore, ce serait cool. Il n'y en a pas. C'était pile dans la tête, je crois. Il y a des corbeaux là-bas. Il y a des corbeaux. Si jamais c'est vraiment l'ours qu'on fait, on va dessiner et on reviendra. Ça m'étonnerait qu'il touche chemin. Il a pas pu faire tout chemin. Oh, sure, I'm getting cold. Ah, on est là, d'accord. Okay. On est à la zone en fait. Bon, on retourne chez nous. Eh ben, je suis désolé, mais... Mystère et boule de gomme. Comment ça en perd des flèches hein. Plus que ce 8. On a une qui a cassé, et l'autre qui est plantée dans l'ours. On en a tiré combien? 3 ou 2? Je me rappelle même plus, déjà. J'étais tellement dans la chasse que j'ai complètement oublié. J'espère qu'on va pouvoir descendre. Ok, par contre, on va passer par là. On commence à avoir froid. Bon, je pense qu'on retrouvera l'ours. Un jour ou l'autre. Mais c'est vrai que là, sur le coup... Honnêtement, je pense pas qu'il a pu mourir. Avec le nombre de flèches qu'on lui a mis, c'était pas assez. Mais... Mais ouais. Honnêtement, c'était parfait, quoi. On avait vraiment le temps pour nous, on avait tout pour nous. Donc ça m'embête.
Ça m'embête. On a récupéré un bois. Je sais pas ce que c'est pour. Je crois que c'est pour faire. Pour faire un arc. Bon, on va rentrer, on va finir l'arc. On va finir notre deuxième arc. Qui va faire nuit. Et puis après, on dormira. Ah, je suis dégoûté. Je suis sûr que ça s'entend dans ma voix. Je suis tellement déçu. Oh, tellement déçu. Et c'est là qu'il est. Il est venu mourir devant notre cabane. Ou alors il nous attend en embuscade. Ça peut être pas mal ça aussi, tu vois. Bon bah Winnie, à la prochaine, on se reverra, t'inquiète pas. Je n'ai pas dit mon dernier mot, Winnie. Ça m'emmerde quand même, mais bon. On se retrouvera. On va finir ça. Ça à faire, on va tout faire tout à la main. C'est bien dégueulasse. Et on a notre nouvel arc, on va aussi le poser pour le moment. On a ça à recycler. Non, ça va, le compte est bon. 8, 9 avec celle qu'on vient de recycler. Et la dixième qui est plantée dans les fesses de l'ours. Non, on est bon. On lui a tiré que 2 flèches. J'aurais dû même lui en mettre une troisième quand il nous fonçait dessus, mais bon. Comme j'ai dit, j'ai pas paniqué, mais j'ai juste regardé comme un idiot. On va prendre ça, on a tout ça à faire cuire. Ouais. Quand on sort, la prochaine fois, il faut qu'on prenne encore plus de... plus de bois, parce que là, il va nous falloir au moins plusieurs heures de bois. Enfin, de feu, pardon. Bon, c'était une belle tentative, hein. Après, on l'a pisté un peu, mais... Ouais, ça n'a pas porté ses fruits, c'est pas grave. Demain, peut-être. Demain. On va continuer à fouiller les environs. On va essayer de continuer à le chasser. Ce faut en finir en fait avec l'ours, ce serait vraiment bien. Je pense que demain, il sera retourné à son endroit habituel. Je pense, quasiment sûr. On verra.